Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, c'est littéralement une légende vivante qui a changé le monde avec son invention au 3W. Mais qui est vraiment Tim Berners-Lee, père du web, rôle modèle à suivre? C'est aussi une légende vivante, en tout cas pour moi, Damien Douani. Et Damien, tu as forcément une idée derrière la tech à nous partager. Exactement, aujourd'hui on va parler de Pix, et si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous. Ok, d'accord, ça c'est du teasing, merci. C'est un format qui attire tellement les auditeurs que Médiamétrie a même décidé de lui consacrer désormais une enquête spécifique. Selon la mesure Istat donc, plus de 195 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde en janvier 2022. L'occasion pour nous de nous pencher évidemment sur ces émissions qui redorent le blason de l'audio et qui suscitent des vocations. Et on a de la chance parce qu'on va le faire avec deux stars du genre. Mathieu Stéphany. Mathieu, vous êtes le fondateur de Cosa Vostra, l'agence, mais aussi créateur et présentateur du podcast Génération Do It Yourself. J'ai pas la chance d'être une légende vivante comme Damien, mais je suis déjà ça, c'est pas mal. Mais c'est beau, c'est très très beau. Et en duplex depuis Lisbonne, une autre légende, Grégory Pouy, analyste culturel, créateur du podcast Vlant et auteur aussi du livre Insoutenable Paradis aux éditions Dunod. Hello Grégory. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Mais d'abord, focus. Il a ouvert les frontières de l'information au moment même où le mur de Berlin était en train de chuter. Ce révolutionnaire de 1989 s'appelle Tim Berners-Lee. Édouard Deniaud retrace le portrait de cette légende pour nous. Tim Berners-Lee a changé la face du monde à tout jamais. Cet informaticien anglais est né en 1955 et c'est à lui qu'on doit l'invention du World Wide Web, plus connu sous les termes www. Après avoir obtenu son diplôme à Oxford, Tim Berners-Lee travaille tout d'abord en tant que concepteur de logiciels dans une entreprise américaine. En 1980, il travaille pendant plusieurs mois au Conseil européen pour la recherche nucléaire. C'est pour ce laboratoire que Tim développe des logiciels qui seront à la base de la fondation du web. Il commence par travailler pour son usage personnel sur un logiciel de stockage d'informations grâce à la technique de l'hypertexte. De 1981 à 1984, il intègre la société Image Computer System pour laquelle il développe plusieurs programmes informatiques. De retour au CERN en 1984, il travaille à la conception de méthodes permettant aux ordinateurs de pouvoir se partager des informations. En 1989, Tim Berners-Lee se lance dans le développement de ce que le monde entier connaît aujourd'hui, le www. Cette année-là, il propose un projet au CERN qui consiste en la création d'un système international de documents qu'on appelle des liens et qui utiliserait Internet. Le but est alors de permettre aux chercheurs de communiquer les résultats de leurs recherches et de leurs méthodes sans avoir à toujours s'envoyer des mails, mais plutôt à les mettre en ligne, les rendant ainsi disponibles pour tous. Le web vient de naître. En effet, la proposition a été validée par le CERN et le phénomène web devient rapidement mondial. À partir de 1990, Tim Berners-Lee et son équipe développent également les trois principales technologies du web. Les adresses web ou URL, l'Hypertext Transfer Protocol et l'Hypertext Market Language. La création du web a marqué un tournant fondamental dans le monde informatique et a révolutionné l'histoire. La carrière exceptionnelle de Tim Berners-Lee lui a valu de nombreuses et prestigieuses récompenses à travers le monde. Le magazine Time l'a classé en 1999 parmi les 100 personnalités les plus importantes du XXe siècle. Il a également reçu plusieurs récompenses des mains de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Sir Tim Berners-Lee, à Damien, encore une fois, c'est une figure incontournable du web. Incontournable. La légende dit que, en fait, il a découvert son invention, enfin le www, du côté français du CERN. Uh-huh. Donc quelque part, on pourrait limite dire qu'Internet c'est peut-être un peu français. Voilà, mais ça c'est la légende qui dit ça. On a très envie de dire cocorico, c'est juste pour ça. En fait, on va dire cocorico. En effet, parce qu'aujourd'hui, on met les podcasts français à l'honneur avec deux stars du milieu, Matt Stéphany et Greg Pouy. On lance notre discussion tout de suite.
Ces chiffres affolent littéralement les compteurs. Près de 151 millions de podcasts français ont été téléchargés ou écoutés au premier trimestre 2022, rien que dans l'Hexagone. Des écoutes qui augmentent de plusieurs dizaines de millions chaque mois. Parmi les titres qui ravissent les oreilles de leurs auditeurs, il y a Génération, Do It Yourself ou encore Vlan. On a de la chance parce que les créateurs de ces podcasts sont avec nous aujourd'hui. Mathieu Stéphany, fondateur de Cosa Vostra et donc créateur de Génération Do It Yourself, qui est devenu presque un slogan. Et Grégory Pouy, analyste culturel, créateur du podcast Vlan. Mais pour vous, messieurs, le podcast, avant tout, c'est synonyme de quoi, Mathieu ? Pour moi, c'est un puissant fond de savoir, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui m'alimente intellectuellement depuis 7 ou 8 ans, m'inspire, me permet de rencontrer des gens que je ne rencontrerai pas sur des formats au long cours, que ce soit chez moi ou ailleurs. Et vraiment de me projeter dans le futur et de comprendre comment le présent fonctionne sur du temps long. Enfin, moi, je suis très axé sur le temps long et c'est comme ça que je le produis et comme ça que je le consomme. Un peu aux antipodes de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, et Instagram, et Twitter, et même TikTok, où finalement on cherche à tout raccourcir tout le temps pour avoir une information qui est potentiellement indigeste, parfois un peu boulimique même, je dirais. On revient à quelque chose de slow, qui permet de prendre le temps d'apprendre et de comprendre, et ça, je trouve ça extraordinaire. Ouais, Grégory, sans mauvais jeu de mots, je vais reprendre la métaphore de Mathieu. C'est quoi le podcast ? C'est une chambre d'écoute pour se donner le temps, justement, de la réflexion. Je crois qu'effectivement, ça donne le temps de la réflexion, mais surtout, ça permet aussi d'aller sur des sujets qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus verticaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a sur les podcasts, et qu'on retrouve peut-être moins à travers les réseaux sociaux ou à travers des médias traditionnels, c'est des sujets modernes comme le féminisme, comme beaucoup de sujets qui sont très spécifiques et dans lesquels on va en profondeur. C'est ça que je trouve aussi hyper intéressant dans les podcasts. C'est finalement la force de frappe et quasiment la précision chirurgicale qu'on peut avoir sur quasiment 2 heures de conversation chez vous, Mathieu. Des épisodes aussi relativement longs. Là aussi, Grégory, il n'y a pas forcément de format d'ailleurs prédéfini avec vos deux émissions, vos deux podcasts. On se laisse aussi le choix de la découverte et finalement la curiosité et la surprise de ce que ça va donner avec chaque invité. Exactement. Chez moi, 2 heures, c'est devenu un format court. je suis passé. J'ai enregistré hier le plus long épisode, ouais. Qui n'est pas sorti encore, qui fait 3h30. Voilà, mais je les consomme. Et s'il est long, c'est qu'il est bien. Ouais. Moi, je les consomme en feuilletonnant. Donc là, je descends de mon deux roues. dans mes oreillettes Bluetooth, j'ai un podcast. Et puis, je vais le reprendre en repartant. Et voilà, c'est comme ça que je le prends. Donc finalement, ce temps long et ces découvertes, comme le disait Greg, sont intéressantes parce qu'on peut aller sur des verticales très, très, très précises. On va produire, nous, certaines émissions ou pousser certaines émissions sur, je ne sais pas, justement, les finances personnelles et les femmes, qui s'appelle Thune, ou on va avoir d'autres choses, une autre qui s'appelle Richissime, que j'anime aussi, qui s'appelle La Martingale, la plus sur les finances personnelles au sens large. Et voilà, donc on peut faire plein de verticales, plein de choses, avec des audiences quand même assez massives, et c'est une vraie lame de fond. C'est-à-dire que on s'en rend pas bien compte, mais quand on les cumule tous, vous disiez 195 millions sur un mois, en fait, quand on compare un par un aux grosses émissions de télé, c'est pas grand-chose, mais quand on les cumule tous, on voit que c'est vraiment quelque chose de très important, avec des gens qui, en plus, souvent, ne consomment plus les médias traditionnels, les médias streamlinés, on dit en français... en très bon linéaire. Linéaire, exactement. Voilà. Donc, généralement, plus de télé du tout depuis longtemps, plus de radio, et qui vont plus aller chercher du on-demand comme on va chercher sur Netflix, sur... Il y a une sorte de long train finalement. C'est en fait, en gros, on peut aller picorer comme on a envie les numéros. Il va y avoir peut-être certains qui vont être des hits, et puis d'autres qui vont s'étaler dans le temps. Mais c'est ça finalement. C'est qu'au final, en cumulé, on a un chiffre énorme d'écoute. Exactement. Ce matin encore, j'avais quelqu'un qui me disait « J'ai découvert tes podcasts
il y a quelques semaines. Je les ai recommencés au début. Je lui ai dit, bon, bah écoute, tu me recontactes dans deux ans. C'est ça. Bah oui, parce que cette personne a quand même beaucoup d'ambition et d'heures d'écoute devant elle, puisqu'on tutoie quasiment les 300 épisodes depuis la création de Génération Do It Yourself. 300 épisodes, et en effet, des choses très différentes. Ça va de Alain Ducasse à, je sais pas, j'ai croisé hier Thibaut Elzière, le fondateur de eFounders, de Bob Sinclair à Patrick Mouratoglou ou Yannick Noah dans des univers plus du tennis. Et c'est vraiment très large, ce sont que des gens. En fait, mon trip à moi, c'est d'aller chercher des gens dans une génération Do It Yourself qui se sont lancés par eux-mêmes et de se dire qu'en fréquentant des gens incroyables dans leur domaine, les meilleurs parmi les meilleurs, et ben moi, je vais pouvoir augmenter ma moyenne. Et je pense qu'on est une forme de moyenne des gens qu'on fréquente, et que si on fréquente que des gens qui ont des moyennes extraordinaires, bah a priori, je vais augmenter la mienne et celle de mes auditeurs. C'est l'idée. Et je crois que ça marche vraiment. Enfin, je vois que ça marche. Ouais. Et en bon invité, justement, pour Génération Do It Yourself, c'est un créateur, c'est une entrepreneur, c'est en un réalité sportif, tout le monde, parce qu'on peut tous se construire dans son secteur. Parce que vraiment, la façon dont vous le labellisez, c'est ça, c'est le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont construits par eux-mêmes. Oui, et c'est vraiment très important pour moi. C'est-à-dire que je pense que l'entrepreneur, l'artiste, le sportif, la femme, l'homme politique, par exemple, sont des gens qui, à un moment, doivent se jeter dans le vide et croire que en eux. Quand potentiellement, les gens autour, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs copains leur disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas? C'est pas sérieux, t'as une situation stable, t'as un salaire, t'as quelque chose, tu vas pas te lancer, etc. » Et ce que j'apprends au fur et à mesure, typiquement dans des épisodes comme Edgar Gros-Piron, qui est un champion olympique assez connu pour les plus âgés. Je vois ce que tu veux dire. Et bien, qui me dit, tu vois, on peut pas être champion olympique par hasard. Il faut l'avoir décidé. Personne n'est champion olympique par hasard. C'est pas parce que tu l'as décidé que tu vas le devenir. Par ailleurs. Il faut le vouloir à la base. Mais il faut le vouloir à la base. Ouais. C'est la première chose. Et donc voilà, l'idée, c'est de se dire qu'à un moment, moi, j'essaye de créer cette étincelle avec mes invités pour montrer aux gens qu'on peut le faire, qu'on peut essayer et que généralement, même si ça ne marche pas, généralement, on trouvera d'autres aventures et on le vivra bien. Et on va revenir justement aux vocations que vous pouvez susciter avec Génération Do It Yourself. Mais il le veut lui aussi, c'est Grégory Pouy. Il veut claquer la porte aux idées reçues avec Vlan. C'est le podcast que vous avez lancé 216 épisodes plus tard. Vous savez pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure à un moment donné? La folie. Évidemment, toujours. Non, je pense simplement, alors moi j'ai une histoire un petit peu peut-être différente de celle de Matt, parce que j'avais créé un blog il y a 17 ans maintenant, et donc j'ai toujours eu ce goût pour le partage. Et en fait, je suis parti vivre à New York, et quand j'étais à New York, j'ai réalisé l'importance des podcasts. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec Matt il y a 5 ans, juste avant de lancer Vlan. Je pense qu'en fait, on a lancé quasiment au même moment avec Mathieu. Et je ne sais plus exactement la discussion, mais en tout cas, ça m'a convaincu de me lancer avec Vlan. Et en fait, l'idée, c'est... Alors, au début, c'était un podcast marketing, donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu un podcast sociétal, qui explique la manière dont la société évolue, parce que je crois que c'est indispensable dans une période de chaos, c'est-à-dire qu'en fait la période dans laquelle on vit et dans laquelle on va, petite crise, c'est une période de chaos qui a un impact énorme sur la santé mentale. Je crois que c'est indispensable pour pouvoir être serein, de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc c'est comme ça que j'ai lancé et puis ensuite j'ai continué et que je souhaite continuer à développer ce podcast. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que c'est un média qui est toujours en mouvement, qui est toujours agile. Le podcast, on peut changer de ligne éditoriale au milieu même de la diffusion. Vous le disiez, Grégory, après avoir claqué la porte aux idées reçues, désormais, Vlan, c'est le podcast qui aide aussi à mieux comprendre nos sociétés à travers le lien à soi, le lien aux autres, le lien à la nature. Là aussi, ça mérite plus de profondeur, plus de réflexion. C'est justement ce que le format même de l'audio permet de faire. Oui, je crois que c'est ça qui est important, c'est le format de l'audio, mais c'est aussi le format long. En fait, l'audio, c'est la seule attention disponible qui reste, parce qu'en fait, les réseaux sociaux ont complètement, comment on pourrait dire ça, pris, capté, aspiré
Ah, on joue à Pyramide l'attention sur ce plateau, c'est intéressant. L'attention à 100% qui est nécessaire quand on lit ou quand on regarde une vidéo. Tandis que le podcast, Mathieu le disait tout à l'heure, on peut l'écouter. Alors, sur un scooter, c'est interdit par la loi, Mathieu. Mais il y a des barres. On peut l'écouter en marchant. On peut l'écouter en marchant. Moi, c'est quand je fais mes courses au supermarché. Mais ça, c'est pas interdit par la loi. Faire ses courses au supermarché avec ses AirPods, on peut. Ou n'importe quel écouteur, d'ailleurs, pas que les AirPods. Donc, exactement. Grégory, pardon, on vous empêche complètement de reprendre le son de votre phrase. Et pourtant, on est avec vous, sachez-le. Et donc, en fait, ça permet vraiment d'aller en profondeur dans les sujets. Et aussi, et je pense qu'il y a un élément qui est extrêmement important, qui est la qualité de la voix. Mmh. Je pense que quand on enregistre avec un micro, on a de l'émotion qui passe. Mmh. En fait, on rentre dans la conversation. Moi, ce qu'on me dit régulièrement, c'est quand on écoute Vlan, c'est comme si on était assis à côté d'une table de café et qu'on entendait une conversation passionnante. Mmh. Et comme Mathieu, moi, je vais sur des sujets très larges qui vont de la sexualité à la géopolitique. Mmh. Donc, de manière assez particulière. Ou Vlan, la géopolitique de la sexualité, ça peut exister aussi. Alors, ça peut arriver aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que justement, ce format-là permet une impression de facilité. On va aborder des thèmes avec vous deux, messieurs, qui sont des thèmes profonds, qui justement nous permettent d'apprendre des choses sur la société qui nous entoure, sur la construction du parcours des invités que vous recevez, mais avec cette impression, encore une fois, d'assister juste à une conversation. C'est ce qui fait que c'est un format gagnant, Matt. C'est ça, et je prolonge aussi ce que disait Greg, hein, le fait qu'on puisse prendre le temps d'avoir des moments qui sont, par moments même potentiellement, quand on est dans du visuel, on a une attention qui est plus, je veux dire, quand on écoute des podcasts, tu disais que tu le faisais en faisant tes courses, ça peut être en conduisant une voiture, ça peut être en faisant de la course à pied, en faisant sa vaisselle, en faisant son ménage, pardon. On peut aussi faire en faisant ses messages. Il y en a qui arrivent à faire les deux, mais moi, je n'y arrive pas du tout. Mais voilà, donc du coup, on peut avoir aussi des sortes de, moi j'appelle ça des ventres mous dans un épisode, c'est-à-dire des moments qui sont potentiellement moins intéressants, mais qui vont amener, asseoir la suite et donner de la valeur sur la suite de l'épisode. Je ne réponds pas du tout à votre question. Une très belle réponse Damien. Mais alors, moi, j'ai une question pour vous deux, particulièrement peut-être pour Greg, qui est donc, il l'a dit, un ancien blogueur, si on peut dire, autrement, qui a commencé il y a très longtemps. La préhistoire du web. Voilà, c'est un dino-blogueur. Et est-ce qu'on ne retrouve pas cette même facilité entre le blog et le podcast? Autrement dit, ce côté, finalement, il y a une barrière à l'entrée qui est très faible. Le blog, j'écris, le podcast, quelque part, je prends même mon iPhone, un micro-casque, ça peut le faire le job, et je vais produire dans la longueur, par exemple, parce que moi, au début, je me suis dit, en fait, génération de Victor Self, il fait 2 heures, parce qu'en fait, il ne veut pas faire de montage. C'est vrai. Aussi. Il y avait de ça, et finalement, c'est devenu une force et une signature. Justement, est-ce qu'il n'y a pas cette liberté-là? À l'origine, le blog, on se dit, j'ai le droit d'écrire autant que je veux, j'ai pas de limitation par rapport à un journal. Là, le podcast, je peux faire 2 heures si j'ai envie, 3 heures si j'ai envie, j'ai pas de limitation par rapport au temps. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est une force par rapport à des journalistes aussi, de temps en temps. C'est-à-dire que moi, je suis pas journaliste et je le revendique. J'adore et je sacralise le métier de journaliste. Je pense que c'est un métier extraordinaire, très vertueux et nécessaire dans une société. Mais je peux me permettre des tas de choses que des journalistes peuvent pas se permettre. Et donc, je suis dans un format qui n'est pas une interview, mais qui est une conversation dans laquelle moi, je peux partager ma vie d'entrepreneur, faire, c'est pas de la promo, mais expliquer un peu comment... Voilà, et donc, pour les personnes qui viennent sur mes podcasts, à l'écoute de mes podcasts et qui ne sont pas habitués, me dire, mais pourquoi il parle, lui? De quoi il parle? Pourquoi il rentre ce qu'on appelle en anglais du skin in the game? C'est-à-dire que je vais vraiment... Je participe activement à la conversation. Donc, beaucoup de gens, au début, m'écrivent en me disant, mais... Pardon, ta gueule. Mais vraiment, et puis au bout de quelques épisodes, me disent oh, ok, j'ai compris. Il y en a qui s'arrêtent au premier, tant pis. Mais c'est vraiment un narratif très différent. Et c'est ce que j'aime, moi, dans les podcasts que j'écoute, parce que qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que quand on va avoir quelqu'un qui est un grand expert, moi, je suis un expert de l'entrepreneuriat, je deviens un expert de la finance perso, mais si je vais aller prendre, je ne sais pas moi, un chirurgien orthopédique, s'il commence à interroger d'autres chirurgiens orthopédiques, il est possible qu'on ait des conversations qui soient passionnantes entre deux personnes qui sont
ultra experts qui vivent les mêmes choses qu'un journaliste pourrait pas avoir parce que lui ne vit pas la vie d'un chirurgien orthopédique, d'accord ? Donc du coup, c'est ça, c'est cette expérience qui est intéressante avec ces barrières à l'entrée qui sont en effet très faibles à l'origine. Après, il faut faire attention typiquement, et je pense que là-dessus, Greg a touché du doigt tout ça tout à l'heure, le matériel, faut pas aller trop vite. Par exemple, la qualité du son, c'est quelque chose de très important dans le podcast. Un podcast avec un son moyen, on ne l'écoute pas deux fois. Donc il faut vraiment faire attention à un certain nombre de choses comme ça, de points précis, mais qu'on a bien établi dans nos différents postes qu'on essaie de pousser. Et on va revenir tout à l'heure justement à vos conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer, devenir podcasteur, en faire peut-être même une profession. On va voir d'ailleurs si c'est vraiment possible aujourd'hui. Mais Greg, d'abord, pour boucler cette première partie de conversation, là aussi, ce que soulignait Damien est très vrai. Il y a eu la partie blog, il y a eu la partie podcast. Il y a désormais la partie podcast, d'ailleurs, tout court. Est-ce que la clé, c'est la facilité, justement, d'entrer sur ces médias-là ? Je pense que, en fait, il y a une forme d'inconscience quand on se lance. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai lancé mon blog, c'était en 2005, donc c'était il y a vraiment longtemps. Et l'écosystème était très petit, de la même manière quand je me suis lancé dans le podcast. Et en fait, il y a une forme d'inconscience quand on se lance. On le fait par goût, en fait, par le goût de partage. Ce qui est beaucoup moins vrai, par exemple, ce qui était beaucoup moins vrai dans les blogs plus tard, où les gens essaient de le faire pour avoir des cadeaux, gagner de l'argent, etc. Donc, en fait, la démarche, elle est assez pure à l'origine. Donc ça, voilà, il y a quand même ce truc, il y a cette posture qui est importante. Ensuite, c'est vrai que c'est extrêmement facile. Le Web 2, en particulier, a vraiment facilité la création des blogs à l'époque. Et puis aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Alors, encore une fois, c'est vrai que le matériel est important, mais c'est très facile de lancer un podcast. Mmh. Et puis, derrière, on a effectivement ce que disait Mathieu, cette liberté de ton, cette capacité à partager exactement ce qu'on veut, prendre le temps. Moi, j'ai modifié mon format, je suis passé de 20 minutes à une heure, typiquement. Donc, on peut fluidifier. J'ai changé les sujets, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette fluidité qui est importante, je crois. Cette fluidité, et puis toujours quand même ce soin du détail et du marketing, Greg, puisque vous portez un pull aux couleurs de Velan, le jaune Velan qui claque la porte justement à ces idées reçues, qui nous aide à mieux comprendre, à mieux appréhender la façon dont nos sociétés se transforment. Greg d'un côté à Lisbonne, Mathis ici en plateau, évidemment, vous restez avec nous dans un instant. On revient à notre conversation, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Je suis sûre que vous brûlez de savoir quelles sont les vidéos et les images que Cheryl Jessica Isenge a rassemblées pour nous. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. On y va, on les regarde tout de suite. Thank you.
toujours sur le plateau de l'École du Futur, bien sûr, toujours en compagnie de Mathieu Stéphanie, créateur du podcast Génération Do It Yourself, et Grégory Pouy, analyste culturel, créateur de Vlan. Et évidemment, on est aussi avec Damien Douani. Damien qui a forcément une idée derrière l'attaque. Marjorie, est-ce que tu as déjà entendu parler de la certification PIX ? Pas du tout, je suis hyper transparente avec vous. Eh ben, j'avoue aussi que quand j'ai creusé le sujet, au début je ne connaissais pas trop et j'ai découvert un monde. La certification PIX a pour objectif de fournir aux élèves une attestation qui valide officiellement leur niveau de compétence numérique. En fait, c'est reconnu par l'État, par le monde professionnel, et ça permet donc de valoriser les compétences numériques tout au long d'une orientation, d'une recherche de stage ou même pour la recherche d'emploi. Et depuis la rentrée 2021, la certification nationale PIX est devenue obligatoire pour les collégiens de 3e, des lycéens jusqu'à la terminale. Ils sont en train de le faire actuellement. Ça se passe du 7 mars au 27 mai 2022. Ok, donc je ferais bien mieux d'écouter intégralement les chroniques de Damien Douani. Maintenant, ça se sera dit. Si je te suis, la certification PIX, c'est une sorte de permis de conduire numérique. Exactement. Il y a 5 domaines, 16 compétences testées. Alors, les 5 domaines, c'est quoi ? C'est information et données, communication et collaboration, création de contenu. ça peut intéresser Mathieu et Greg. Protection et sécurité et environnement numérique. Et qui dit, bien sûr, permis de conduire, dit passage du code. Et c'est effectivement, pour s'entraîner, c'est le rôle de l'application CUD qui va donc mettre de l'huile dans les rouages intellectuels. Oh là 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 là, comme c'est bien dit. J'avais envie de la faire, celle-là. Mais oui, je sentais. Bravo. Et donc, justement, grâce à l'application CUD Academy, eh bien, les élèves vont pouvoir se former en toute autonomie, à leur rythme et de manière ludique, pour développer les compétences IT et préparer cette fameuse certification PIX. Et donc, comment ça se présente ? Eh bien, ça se présente sous forme, on va le voir à l'image, d'une interface interactive avec des mises en situation très concrètes, avec des cours de 5 à 15 minutes, c'est un peu plus court que les podcasts de maths, des vidéos, des cas pratiques, des quiz. En fait, en clair, CUD va tester les connaissances de l'apprenant et le faire progresser. Ça veut dire qu'on va juste noter des compétences techniques ou on va un petit peu plus loin que ça ? Alors non, les élèves vont apprendre pas seulement des éléments techniques, mais aussi des mises en situation et de compréhension. L'exemple typique, c'est développer l'esprit critique en gérant, par exemple, ce que c'est que l'identité numérique, essayer de comprendre ce que c'est qu'une fake news et reconnaître une fake news, comprendre le principe des droits d'auteur, comment créer des formats multimédia, comme par exemple le podcast. Bref, on est vraiment pas seulement sur comment ça marche ou c'est quoi un navigateur, mais essayer d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'ai trouvé très sympa dans cette application, notamment, parce qu'elle va mélanger des formats ludiques qui aident à la mémorisation, là, on l'a déjà vu dans ce plateau, et puis ça va permettre aussi la mémorisation par des durées courtes. C'est ce qu'on appelle du micro-learning. Et on est vraiment sur ce format-là. Le micro-learning, ce sont des courtes séquences d'apprentissage que vous pouvez faire quand vous avez quelques minutes. Par exemple, vous êtes dans le métro, vous êtes peut-être pas sur le scooter, mais vous êtes en train de faire vos courses ou autre, et vous avez du temps. Eh bien, vous allez pouvoir faire une petite séquence de 5-10 minutes très rapidement. Et ça va permettre aussi, bien sûr, aux professeurs et aux acteurs éducatifs d'utiliser le dispositif en classe pour aider leurs élèves, ben, justement, à progresser pour faire passer le fameux PIX. Et puis, dernier petit truc intéressant qui est assez amusant, c'est la rencontre de la tradition et de la modernité. vous avez tous eu des annales papier. On a tous passé un jour des examens, on a acheté des annales papier Nathan, très souvent. Eh bien, il y a désormais les annales papier Nathan pour, justement, passer le PIX. Et vous pouvez vous entraîner en cohérence avec le livre grâce à des QR codes avec l'application CUD, tout simplement. Et donc, vous amusez à avoir le papier et le numérique en même temps sur votre smartphone. Passe ton PIX d'abord, je retiendrai la leçon. Merci Damien, évidemment, pour toutes ces questions extrêmement pratiques. Là aussi, tu as cité un cas pratique extrêmement intéressant, c'est le droit d'auteur qui agite, et oui, le secteur du podcast. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de se dire que ce secteur qui est en train de se fédérer, on a rappelé les durées d'écoute qui sont absolument folles et les taux de téléchargement, 195 millions de podcasts français téléchargés partout dans le monde, rien qu'en janvier 2022. Aujourd'hui, la question des droits d'auteur, elle est prégnante parce qu'il y a une bataille qui est en train de s'ouvrir entre les éditeurs, les majors du streaming audio et les podcasteurs indépendants. Alors, il y a beaucoup de podcasteurs indépendants qui ont fait, c'était quand même un peu le Far West, donc on reprenait, et c'était le cas d'ailleurs sur les blogs, Greg saura mieux le dire que moi, mais des images qui venaient de n'importe où, et puis on les mettait sur des blogs, et puis voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasteurs qui ont pris des bouts de musique, et puis qui illustraient leurs podcasts, leurs génériques, ou même leurs épisodes, et tout ça est évidemment réglementé, quoi. Donc, du coup, quand on connaît un peu ça, on essaye d'être soit sur des banques d'images, ce qu'on va appeler open source,
source, donc d'audio open source. Donc, on va aller chercher. YouTube propose ça. Il y en a plein d'autres. Hein, des bibliothèques sur lesquelles on va chercher tout ça. Ou alors de la composition. Je connais de plus en plus de podcasteurs sur des GarageBand ou des choses comme ça qui vont eux-mêmes composer assez simplement des choses finalement sympas. C'est une manière de s'y mettre dans le DIY. mais en effet, aujourd'hui, alors on a l'impression qu'il y a de plus en plus de scripts qui vont aller détecter les musiques dans les podcasts pour aller un peu chasser et demander des droits. Moi, j'ai eu la chance de jamais avoir, comme je suis très, très frugal dans ma production, je n'incruste pas de musique, donc je ne suis pas trop concerné. Mais on voit ça avec Greg, notamment dans les groupes de podcasteurs dans lesquels on intervient, on va dire. Et il y en a beaucoup qui commencent à s'inquiéter, je crois. Greg, tu as vécu ça, j'imagine, sur les images aussi, non ? Greg, maintenant retourne la question justement. Ouais, effectivement, en fait, on voit. En fait, il y a deux problèmes. Le problème, c'est celui qu'expose Matt, c'est-à-dire l'utilisation des images ou des sons, en particulier de la musique, dans les podcasts. Et puis, de l'autre côté, il y a le droit des podcasts. Moi, par exemple, Vlan a été récupéré par une chaîne télé. En tout cas, le nom, le concept. Mais sans moi à l'intérieur. Donc ça, c'était un problème. Donc on en a discuté avec la prod par la suite. Mais de manière générale, il y a une discussion autour des majors, en particulier des diffuseurs que sont Spotify, Apple ou autres, qui sont quand même les deux plus gros, et voir comment ils récupèrent ce contenu et qu'est-ce que ça implique. Enfin voilà, il y a aussi cette question du droit d'auteur en tant que podcasteur, tout simplement. Et justement, cette bataille entre les majors et entre les podcasteurs indépendants, on y revient dans un quart de seconde, car il est temps de lancer la deuxième partie de notre discussion. Et pour continuer justement cette conversation, le podcast va-t-il céder à la tendance de la concentration des médias ? Parce que le secteur a connu une vague de consolidation économique ces trois dernières années, d'Apple Podcast par exemple, et ses annonces de rachat ou de partenariat. On se souvient de la dernière annonce en date avec Magellan, notamment le Netflix français autoproclamé de l'audio par son créateur Mathieu Gallet. Spotify, absolument, qui s'est lancé dans la bataille avec un budget de près de 500 millions de dollars depuis 2019 pour faire son marché parmi ses concurrents et les autres plateformes et sociétés de production. Et puis Amazon Music, qui fait aussi de très belles acquisitions en ce moment de son côté. Ça veut dire quoi, Matt ? Dans cette bataille des plateformes, il y a encore de la place pour les podcasteurs indépendants comme vous ? Tant que les plateformes sont multiples, je ne suis pas très inquiet. C'est-à-dire que la problématique, par exemple, alors Netflix à un moment a été hégémonique, maintenant on voit quand même quelques concurrents, Amazon, Prime Video, on a Disney aussi qui est là. Voilà, je ne parlerai pas forcément des Français qui sont dans un... Bonjour Salto. Voilà, non mais c'est bien Salto, c'est une belle initiative. Après... Ce qui est inquiétant, c'est quand il y a une trop forte concentration et qu'en fait, on a une négociation totalement déséquilibrée avec des plateformes. Typiquement, nous, aujourd'hui, sur Spotify, Spotify reverse rien aux podcasteurs. Moi, ça me convient très bien, puisque j'ai mes sponsors qui sont poussés sur Spotify. Seulement, quand tu payes Spotify... Normalement, le deal, c'est que tu n'as pas de pub. Et moi, j'ai quand même mes sponsors. Alors, ce n'est pas de la pub à proprement parler, mais j'ai quand même mes sponsors qui sont là. Et je n'ai pas forcément intérêt à ce que Spotify me paye, parce qu'en fait, Spotify, il ne paye pas à la minute consommée, il paye au stream. Donc, quand on fait des chansons qui durent 2 minutes, 3 minutes, ben, y a plein de streams. Mais quand on fait des podcasts qui sont très, très longs, je suis payé à un stream. Et puis moi, on ne les réécoute pas 10 fois, mes streams, ben, je n'ai pas forcément. Donc, il faudrait des négos spécifiques. Voilà. Donc, je suis plutôt assez content du status quo actuel, avec une multiplicité très importante des plateformes. C'est intéressant sur ce que ça dit du modèle économique, d'ailleurs, des podcasteurs. Si certains de nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices voulaient devenir podcasteurs elles-mêmes et eux-mêmes, bah, comment est-ce qu'ils font ? Est-ce que ça paye d'être podcasteur ? On peut se rémunérer concrètement en vivant juste de ces podcasts ? Alors oui et non. Oui, parce que nous, on monétise très bien nos podcasts. On a créé ce qu'on appelle un MCN, un Multi-Channel Network, dans lequel on a toute une myriade de podcasts, dont Génération du Tourself, La Martingale, qui sont les deux que j'anime, qui va faire plus d'1 500 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Donc c'est un joli résultat. Et un joli chiffre d'affaires. Et donc, on est très content d'avancer dans ce sens-là. En revanche, on est sur des podcasts qui sont
business, inspiration, développement personnel, finance. Donc des endroits où il y a des auditeurs et des sponsors qui sont présents, qui ont de l'argent, qui existent, etc. Après, il y a des types de podcasts qui sont beaucoup plus difficile à monétiser. Alors, on va les monétiser autrement, par des abonnements, c'est-à-dire des abonnements facultatifs ou potentiellement obligatoires. Il y a de plus en plus de moyens de monétiser. Je vais parler de podcasts sur, je ne sais pas moi, des approches soit très culturelles, soit très sociétales, même si Greg le dira, il arrive aussi à monétiser à sa manière. On va avoir, je ne sais pas, je veux dire, si on fait des podcasts sur la guerre en Ukraine, les migrants, les choses comme ça, c'est plus difficile d'avoir derrière un sponsor. Maintenant, quand on voit des gens comme Joe Rogan aux États-Unis, qui, eux, ne sont pas sur des cibles aussi premium que celles sur lesquelles je travaille, en tout cas, Joe Rogan, il est sur quelque chose d'hyper populaire. Et il va voir des marques de bière, des marques de viande. Je caricature pas, hein, c'est vraiment... Il a même, je crois, une marque d'un jet qui permet de nettoyer les fesses quand on va aux toilettes, enfin, des trucs assez lunaires. C'est très américain, voilà, tout ça. C'est très américain, mais donc, il va avoir plus de sponsors. Ça fait des tunnels de sponsors au début, 3, 4, 5, 6, 7 minutes de temps en temps, plus ce qu'on a. Donc ça, c'est en pré-roll, mid-roll, post-roll. On peut avoir plusieurs endroits. Les Américains sont très... Ils sont très habitués aussi à la coupure pub. Hein, à la coupure, ils sont plus que nous. Ils sont, voilà. Chez nous, c'est moins toléré. Donc, on essaie d'en avoir moins, mais qui payent un peu plus, un peu mieux. Et la façon, Grégory Pouy, alors, de monétiser que Matt annonçait tout à l'heure, c'est laquelle? Vous êtes sur un format relativement différent sur ces sources, justement, de revenus avec Vlan? Alors, d'abord, un truc qui est important de dire, et je l'ai dit au tout début, c'est qu'il ne faut pas lancer un podcast pour gagner de l'argent. Parce que, en fait, comme pour les influenceurs à l'époque, ou les blogueurs, si on remonte encore un peu plus, bien sûr, il y a quelques personnes qui touchent de l'argent, comme Mathieu ou moi. Mais en fait, très majoritairement, les podcasteurs ne vont pas gagner d'argent avec leur podcast. C'est important de le rappeler, il faut le faire parce qu'on a une passion, on a un intérêt particulier pour un sujet qu'on a envie d'aller creuser. Ensuite, il y a effectivement, comme le disait Mathieu, différentes manières de monétiser. De mon côté, effectivement, il y a une monétisation directe et indirecte. Et je pense que Mathieu, pour connaître un petit peu, c'est un peu la même chose. Il y a une monétisation directe en pré-roll avec... des messages qui ne sont pas exactement de la pub, effectivement, c'est plutôt de la recommandation. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai un annonceur qui me suit tout au long et on parle de RSE. Mais ensuite, le podcast, ça permet aussi de générer de la notoriété et de me générer, par exemple, des conférences, du conseil. Et je sais que pour Mathieu, c'est aussi le même équilibre entre Cosa Vostra et Génération Culture 7. Donc, il y a aussi cette logique. Donc, même si on ne monétise pas directement son podcast, ça peut générer des revenus par ailleurs dans son activité. Ouais, c'est un accélérateur d'expertise aussi et puis de notoriété sur les sujets que vous voulez couvrir tous les deux. Damien. J'ai la sensation, vous écoutez hein, tous les deux, Greg, Matt, en fait, de me demander si les podcasteurs, ce n'est pas les nouveaux YouTubeurs. En fait, je pense qu'on ne peut pas les différencier tant que ça, d'ailleurs. Dans la philosophie. Ce sont des médiums différents, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la créateurs économie, donc l'économie des créateurs. On n'aime souvent pas le terme influenceur parce qu'il est souvent assez préempté par les influenceurs Instagram qui font un peu n'importe quoi et qui vont un jour dire « faut mettre cette crème », le lendemain la crème concurrente et le surlendemain encore une autre crème, on ne sait plus laquelle il faut prendre, on ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Dubaï. Voilà, exactement, le tout sous le soleil de Dubaï. Mais il y a un côté, quand on le fait bien, typiquement, et je crois que je sais que Greg et moi et pas mal d'autres personnes sur YouTube de plus en plus, quand je promeux un sponsor... Je l'aime, mon sponsor. Vraiment, c'est quelqu'un que j'utilise. C'est quelqu'un qu'on se choisit mutuellement. Mais si demain, j'ai, je ne sais pas moi, une marque de G qui me nettoie les fesses, qui vient me voir, je ne pense pas nécessairement que je le ferai. Parce qu'il y a une vraie relation, en tout cas. Voilà, donc l'idée... Il y aura forcément une relation dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. J'étais en train de me sortir de cette image de la tête. Que ce soit, moi, ça va être une banque en ligne que j'utilise beaucoup, que j'adore pour entrepreneurs. Et on crée ce truc et sur lequel ils gagnent énormément et je gagne énormément. Et mes auditeurs
auditeurs gagnent aussi. Donc c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et c'est quelque chose que les journalistes peuvent pas faire, parce que eux, dans leur je cherche le terme déontologie, ils ne peuvent pas dire Marjorie pourrait pas dire non, pas. J'adore Peugeot, j'ai une Peugeot et elle est super, parce que même si c'est le cas. Parce que ce serait à un moment, si jamais, quand tu as une carte de presse, tu te retrouves à devoir dire quelque chose contre Peugeot, tu vas avoir un conflit d'intérêts. Nous, on n'a pas de carte de presse. Mais je complète la question de Damien, il a raison. Ce que vous dites là, tous les deux, c'est aussi le fait d'être en adéquation avec les valeurs aussi que vous allez porter au travers d'un sponsoring, au travers du financement de ces podcasts-là. C'est assez fidèle, en fait, à vos audiences aussi, à la façon dont on va adhérer avec les valeurs et avec l'envie de pouvoir endosser, porter ce qui est défendu par cette marque-là. Tout à fait. Greg, je sais pas si tu veux. On vous entendait respirer comme si vous souhaitiez prendre la parole. Non, effectivement, je pense que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mathieu et moi, on explique que ce n'est pas de la pub, que c'est de la recommandation. Mm-hmm. Il y a une vraie différence majeure qui est qu'on s'engage. Et je crois que... Pour bien connaître ce métier d'influenceur, pour l'avoir suivi pendant de nombreuses années, c'est exactement le cas pour les influenceurs aussi, sauf qu'ils ont un peu perdu ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils font sponsor sur sponsor, comme disait Mathieu, ils vont parler d'une crème puis de son concurrent la journée d'après. Les podcasteurs, je crois qu'on est encore dans une... Comme on n'a qu'un seul message, et qu'en général, ça dure entre une et deux semaines, du coup, on est quand même assez cohérent et fait attention au type de sponsor qu'on va choisir et les sponsors qu'on va choisir. Et c'est important justement de le noter. Donc on a bien compris, c'est pas forcément une profession. En tout cas, vous ne le recommandez pas tel quel. Mais est-ce qu'il y a quand même des conseils ? Alors, on a compris aussi ce conseil très précieux qui est d'abord de faire attention au son qu'on émet, donc à la qualité du micro pour pouvoir enregistrer justement ce podcast. Le fait de se faire confiance en se disant aussi, il n'y a pas forcément de format prédéfini. On peut avoir des conversations au long cours aussi. Le meilleur... finalement, conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui voudraient se lancer, c'est quoi ? De s'écouter avant tout. De s'écouter, de se faire plaisir. Parce que ce n'est pas une profession, ça peut le devenir si on se fait plaisir. Je crois que Greg et moi, on se fait plaisir, Greg le prouve, en changeant finalement, en modifiant sa ligne éditoriale, moi en allongeant mes contenus, en recevant les personnes que je veux recevoir. Et je m'éclate, quoi. Moi, j'y passe pas loin de la moitié de mon temps. Je me régale, je suis toujours... hyper content le matin en me levant de me dire je vais enregistrer avec telle personne, c'est une bénédiction. Et donc du coup, je pense que dans chaque univers c'est le cas, et je reviens sur le côté un peu métier. Quand on crée des contenus, que ce soit des podcasts, de l'écrit, on peut être partout en fait. Souvent, on continue nous tous à finalement, moi là en ce moment, je suis en train de pousser assez fort sur TikTok pour essayer de travailler d'autres choses et différemment. Mais on se fait plaisir et finalement, on devient un créateur. Mmh. Et à la fin, on a, même si ce n'est pas un revenu direct, comme le disait Greg tout à l'heure, on va pouvoir travailler sur autre chose quand on est psy, quand on est garagiste, quand on est, faire venir des gens à soi et communiquer, tout simplement. Il y a une règle quand même qui est intangible, que ce soit les blogs, le YouTube ou autre. C'est la question de, pour construire une communauté... La question de la régularité. Et c'est quoi vos conseils là-dessus ? C'est quoi vos retours d'expérience sur cette question de la régularité ? C'est extrêmement important. En fait, c'est un point que je voulais aborder tout à l'heure et j'ai oublié. Donc, merci Damien de le rappeler. À ton service. Parce que tu le sais, pour avoir eu un blog aussi et un podcast, en fait, la régularité, je pense que c'est la question principale. En fait, ça prend du temps. Tu disais la moitié de son temps, moi c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, alors j'y prends aussi énormément de plaisir, c'est vraiment un kiff absolu de rencontrer toutes ces personnes, c'est incroyable, mais il faut que ça soit régulier, et donc moi par exemple ça publie toutes les semaines à 6h30, enfin, tous les mardis, c'est très précis et c'est toujours la même chose et c'est hyper important, et depuis 5 ans j'ai jamais dérogé, même en vacances, c'est important d'avoir cette régularité, et donc ça demande une forme de rigueur. Alors là, c'est vrai qu'on s'habitue beaucoup, Mathieu, moi, podcasteur, à faire nos podcasts, mais il y a quand même cette rigueur, même si aucun de nous deux monte nos podcasts, il y a la rigueur de la régularité, ça c'est essentiel. Parce qu'en fait, les gens qui écoutent ont besoin d'avoir cette régularité, tout simplement d'avoir un rendez-vous à un moment donné. Mathieu, c'est le dimanche, si je ne me trompe pas, moi c'est le mardi, et voilà, et quand tu me concentres, c'est toujours la même heure, etc.
Et pour être régulier et pour produire beaucoup, il ne faut pas trop produire, justement. Ça veut dire quoi, pas trop produire? C'est pas trop monter. Y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que chaque épisode leur prend une heure ou deux d'enregistrement et derrière deux jours pour le sortir. Et quand on fait ça, au bout d'un moment, ben, on pète un câble, en fait. Et donc, faut pas oublier que, finalement, il y a énormément d'émissions qui fonctionnent, que ce soit en télé, en radio, qui sont des directs et des conditions de direct. Donc, il y a un moment, au début, on a un peu du mal, on a envie de couper certaines choses, j'aurais pas dû dire ça, etc. Mais en fait, quand on est en direct, les plus gros cartons sur les podcasts de replay, ce sont les grosses têtes, les grandes gueules, des Ruquier, des je sais pas, enfin voilà. Et eux, ils sont tous en direct, donc c'est imparfait et c'est très bien. Et je pense que l'auditeur est OK avec le côté imparfait, ce qui est peut-être moins facile en vidéo d'ailleurs, parce qu'en vidéo, on est plus exigeant sur des formats où on veut des choses très rythmées, belles, etc. C'est moins facile de se dire je vais faire une vidéo avec une vieille caméra un peu dégueu. C'est aussi une évolution de vos deux titres, de vos deux émissions. Messieurs, aujourd'hui, vous filmez aussi certaines parties de Vlan et de Génération Do It Yourself. C'est important aujourd'hui d'avoir ce support vidéo pour aussi pouvoir en faire la promotion sur les réseaux sociaux, parce qu'on se disait que le podcast était l'anti-format court du réseau social, certes, mais il y a quand même besoin de cet effet de traction pour aller chercher certaines audiences. Oui, je pense qu'on peut plafonner aussi à un certain moment, ou en tout cas se dire qu'on va approcher d'un certain plafonnement, qu'on a du mal à toucher aussi de nouvelles audiences. Alors, elles sont assez jeunes, les audiences de Génération Do It Yourself et de la Martingale. On est plutôt sur du 18-35 en majorité. Maintenant, tout ça évolue vite et en effet, typiquement, je parlais de TikTok tout à l'heure, bon, c'est un réseau social sur lequel on peut gagner énormément de traction et énormément d'abonnés assez rapidement, mais il faut du contenu et de la vidéo. Je ne recommande pas forcément de le faire très tôt parce que c'est pareil, ça a un coût en termes de temps au moins. Hein, donc voilà, et puis en termes de matériel pour faire des belles vidéos, etc. Enfin, vous voyez, un beau studio comme ça, nous, ce n'est pas aussi bien. Voilà, on a deux caméras, on a quelques lumières, on en extrait un certain nombre de choses, on essaye de les publier un peu sur TikTok, sur YouTube, sur Insta. Enfin, on n'essaye pas, on le fait. On apprend aussi ça, mais c'est après 5 ans qu'on s'y est mis. Hein, donc on a pris le temps pour trouver de nouvelles audiences. Mais d'abord, on a travaillé que le son et l'audio. Greg, le mot de la fin avec vous, le podcast finalement c'est quoi? C'est l'école de la patience et de l'agilité? Je sais pas si c'est l'école de la patience et de l'agilité, je pense que c'est l'école de la passion plutôt, c'est-à-dire vraiment j'ai tendance à penser qu'il faut être hyper intéressé par le sujet qu'on a envie de traiter pour le traiter sur la longueur. Nous ça fait 5 ans et moi j'ai pas du tout fini, je pense que Mathieu a pas du tout fini non plus de le traiter parce qu'en fait on est vraiment habité par les sujets qu'on traite. Donc moi je pense qu'il y a ce côté-là et puis il y a aussi une passion par la transmission. C'est-à-dire que en fait il faut le faire avec une forme d'empathie, une volonté de partager, parce que je pense que, alors bien sûr nos podcasts ils nous ont permis de rencontrer des gens incroyables, mais je pense que comme Mathieu comme moi on avait l'occasion de rencontrer des gens incroyables, simplement là on diffuse et on partage, et je pense qu'il y a vraiment ce goût de la transmission qui passe dans nos veines, entre guillemets. La passion, en tout cas, ça passe dans nos oreilles, ça c'est une vraie certitude. La passion, la transmission et puis cette économie de la création, on le voit, qui est en train de se mettre en forme, notamment avec le format podcast. Merci infiniment Grégory Pouy d'avoir été avec nous pour cet épisode de l'École du futur depuis Lisbonne. Merci Matt, évidemment, d'avoir été en plateau avec nous. Évidemment, tu venais d'un petit peu moins loin, donc c'était plus pratique. Et puis merci évidemment à Damien Douani, comme toujours, pour tes idées derrière la tech. Vous l'avez vu, même moi, j'ai aussi, entre le tutoiement et le louant, parce qu'on ne va pas se mentir, on se connaît depuis quand même relativement longtemps, tous et toutes ici, sur ce plateau. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du futur.